Allez, salut à tous, salut à toutes, ici Creepers Boy. Donc aujourd'hui une vidéo sur White Knight Chronicles Origins. Donc pour information, dans la dernière vidéo je vous avais dit que c'est la prochaine, enfin que la prochaine ce serait une vidéo sur Street Fighter Cross Tekken, sauf que j'ai eu un petit problème, j'ai eu un petit bug en la publiant sur YouTube, il y a eu un bug, du coup ça corrompu entre guillemets la vidéo, du coup j'étais obligé de la supprimer et ben finalement je vais faire une vidéo sur ça. Donc nouvelle partie, on commence par Origins. Donc White Knight Chronicles Origins, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se passe au Moyen-Âge. Il y a un méchant qui veut conquérir la Terre et on doit le buter, enfin la fin. Bref. Et hop, ça c'est fait. Ah ouais, c'est vrai. Creepers, voilà. Alors. Moi je veux lui, un beau ténébreux. Ensuite, morphologie. Eh ben, géant. Voilà. C'est un petit peu moi ça. Type de visage, bon, moyen, c'est très bien, on dirait une nana. Expression, je vais le mettre un petit peu vénère, très vénère. Non, oh putain c'est nul. Mais vous le voyez, vous, toujours se balader comme ça. C'est n'importe quoi. Ah punaise, j'adore ce jeu. Voilà, couleur sourcil, c'est très bien. Les yeux. Voilà. Non, c'est très bien, type d'iris. Ça fait très manga. Très très étonné, tiens. Voilà, la couleur de l'iris. Je vais essayer de faire quand même que ça me ressemble, ne serait-ce que le minimum, mais bon. Voilà. Blanc. Alors le nez, il est très bien, voilà. Ah, j'ai pas vu ses cheveux, il a un chignon. Ok, c'est un garçon manqué, bon ça c'est absolument pas moi, faut que je change ça. C'est horrible. Bah celui-là il a pas aimé de l'autre côté. D'accord. Bof. J'ai quand même les jeux plus longs que ça moi. Voilà. Surtout comme ça. Couleur cheveux, bah noir. Non. Non. Sur le front. Oh punaise. Alors de la barre, ne serait-ce que le pity minimum. J'ai dit le pity minimum. Oh putain, mais qui se baladerait avec ça quoi? Ouais non, je vais pas de mettre de barbe, en fait c'est très bien. Ouais. Elle est en bleu. Oh là là. Pourquoi pas en vert aussi? Bref, je vais le laisser comme ça. Alors là-bas.
Ouais. Ah, ok, c'est triangle. Ouais, non, en fait, la première, elle est très bien. À la suivante. Excusez-moi, 30 secondes, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Je vais un petit peu le son. Parce que l'autre, je passe sur la session. Voilà. Et bah voilà. Me ressemble absolument pas, mais c'est pas grave. Bien, lui joue. Hein. Bon, bah, le temps de chargement dès le début, il est très long, très très long. Donc dans ce jeu on a plusieurs types d'armes. On a les non, je vous le dirai après, je vous laisse admirer la cinématique. Yes, General Drakeus. I think tonight's celebration will be one to remember. Okay. Ballon d'or. Hey, you with the hood? Not so fast. Huh? You wouldn't be talking to me, would you? Let's have a look at your face. Surely you've better things to look upon than the pockmarks and wrinkles of a tired old man, huh? I said, take off the hood and show me your face! Good enough. Proceed. Oh, many thanks. You soldiers are truly a credit to your king. Hey, you sure? I don't like the looks of him. Any moment now, prophecies were very specific about where it would begin. What? Your Grace, how does our young princess fare today? Look at her, Sarbane. She's the picture of her mother. 10 painful years since that day, and still my sister speaks no word.
proceed with the ball. Presenting her to the people now might only add to their alarm. Oh, what nonsense. None of those attending expect Sisna to speak. Her presence and her composure will suffice. Still, I would give all my riches to see a real smile cross her face again. Lorraine, she would know. She always knew how to make Sisna laugh. Sire, forgive me, but the princess's heartbreaking condition begs the old question. Why in creation are we making peace with the same people who robbed her of her mother? My wife is gone, Sarvain. War has taken her, just as it has taken so many before her. But war will not give her back. The Farian speak our tongue. We ought to trade words with them from now on, not lives. Sisna, you look radiant. That dress suits you beautifully. Your Grace. What is it? Archduke Delam of Faria will be arriving shortly. Good. See that he is given a proper welcome. Yes, sire. Also, a group calling themselves the Marcus Revelers are outside the gates. They say they wish to perform in honor of Her Highness's special day. Shall I turn them away? A circus? Today? A gift? What day could be more deserving of a little extra celebration? Very well. Let them into the city, then. Yes, sire. Je me souvenais pas que c'était aussi long que ça. Anything to report? No, sir. Oui, il y a des cerfs géants au Moyen-Âge. Session. I hope the Archduke has enough pillows. Who are you? I am Cyrus of Valandor. Captain of the Castle Guard. Your Excellency, we are most honored by your visit. How are you now? Tell me, sir, how is His Grace? Is he doing well these days? He is doing quite well, Your Excellency. Is he now? That's good to hear. Now then, if you'll excuse me. Mon Dieu, mais ils savent pas marcher comme tout le monde. Does His Grace really hope to make peace with these people? Peace, Mr. Farians? The idea makes my blood boil. Ben voilà, j'ai pas tardé à jouer. Where the hell have you been? You better not have forgotten what today
is. Yeah, I know. Today is the princess's ball. She's introduced to society and we step into the big time. Got it. This is a momentous day for Rapaci Wines. The court picked us to supply wine for a party at the castle. We gotta do it right and earn the shop a bona fide royal commendation. God, I worked my fingers to the bone to get this far. Look, I'll leave for the Parma winery now and I'll be back with time to spare. Ha, you better. I rented a beast wing at the village for you. Use it to cart the wine back here, like your life depends on it. Cause it does! All right. And while you're at it, that's the new guy. Take him with you. Oh. Hi there. I'm Leonard. Ow! Just get your butts moving! You can talk on the road! All right, gods. Oui, mon personnage ne parle pas, mais ils se comprennent. C'est... spécial. Let's see. We have to fetch the barrels from the Parma warehouse using the beast wing. Boy, that is a lot of work. Well, let's get going. Bon. Bon, je sais déjà comment on joue. The old man needs to learn how to relax. Wow, the streets are packed today. C'est passionnant. Bon, oui, beaucoup de cinématiques. Oui, ils se comprennent. Ils ne parlent pas, mais ils se comprennent. Weird. Oui, passionnant. Hey, look. Des tortues géantes. Young and old of Valandor, in honor of Her Highness's coming of age day, I give you wonders of plenty and sights unlike any. Step right up. The Marcus Revelers have arrived. Bref, donc enfin on commence après à peu près 18 minutes de cinématique. Donc on commence à la plaine de Balandor et on doit aller à Parma qui se trouve en dessous. Donc je vais aller jusqu'à Parma et après je vais couper la vidéo. Sinon ça fera trop long. Of Parma is due south of here. Pretty simple. There's not much to it, but it's a nice enough place. Say, you're new to Balandor, aren't you? Then why don't I show you the sights along the way? Sound good? Just keep a lookout for monsters. We're in the wild now. Oui. Des monstres au Moyen Âge. Okay. Before we head to Parma, we need to make a few preparations. I know, it's a pain. But Rapaci said to go over this stuff with you. So listen up. Ouais, j'ai passé la cinématique puisque là ça nous explique comment jouer. Press the triangle button to open. Oh punaise. Once you learn. Je me souviens pas que c'était aussi long. Ah, il y a quoi mon bonhomme? Une épée. Bien. Allons-y.
Encore une cinématique. Génial. Uh-oh. Oui, bla bla bla. Mon dieu, c'est un monstre. Passionnant. To attack a monster. To change target. Pa-pa-dum-pa-pum. Once the action engage. On a quand même eu le droit à 20 minutes de cinématique, hein. Je le précise. Bon bah toi je vais te buter parce que j'ai envie de gagner de l'XP. Toi tu es un volcan, donc tu le crèves comme ça toi. Voilà. Toi, le Kibli, ramène-toi. Fail. Bon bah je vais récupérer le coffre, enfin le contenu du coffre. Bon toi je vais te laisser tranquille pour l'instant. Pour l'instant j'ai bien dit. Une perle de chrome. Oui blablabla. Eh bien, 500 points pour monter de niveau. Bien, monsieur. Passionnant, on en a un chacun. Lui. Bon, ben, je les mettrai plus tard, hein, les compétences. Parce que j'ai pas l'intention de leur laisser ses épées. En tout cas, pas au mien. Le mien, je vais lui donner une bonne grosse épée. Voilà. Encore 300 points d'expérience avant de monter de niveau. Ok, vent. Oui, je bute tout ce qui bouge. Hein. Lui, il a souffert. Comment il a pu louper, quoi. Niveau 1, comment il a pu le louper? Bon, la Vespige là-bas. Le Vespige, j'ai toujours Vespige. C'est plus fun Vespige. Plutôt que Vespide. C'est moche Vespide. Ah bah voilà. Oui, on dirait des Pokémon. Le niveau suivant, il me faut 700, j'en suis qu'à 47. Génial. Donc, par ici. Non. That's the end of that. Ouais, bon, je sais pas tellement quoi dire, c'est du combat entre ce qui s'appelle une fée et un homme. Oui, ça, ce sont des fées, oui. On peut carrément leur arracher la tête. Un masque de fée, oui. On leur arrache la tête à ces bestioles. Oh, il a survécu.
Alors, bon bah toujours tout droit. Hein. Donc si vous avez des suggestions de jeux, vous pouvez me les demander en commentaire ou par MP. Hein. Voilà. Il va crever. On passe le pont et puis c'est bon. Bon bah. Je vais être obligé vu qu'il va m'agresser. Bon, ça me saoule là parce que je vais pas tous les buter sinon la vidéo elle va être trop longue, mais vraiment trop longue. On est déjà à 26 minutes. Voilà, le portail là-bas, c'est la fin. Je me ferai plus agresser par des espèces d'abeilles géantes. Voilà, donc je sauvegarde. Ouais, blablabla. Nouvelle sauvegarde. Et c'est la fin de ce premier épisode sur White Knight Chronicles Origins. Allez, ciao tout le monde.